Ah, ça fait bizarre un stream qui commence sans mes commentaires. Vous étiez habitué? Ouais, bah gardez pas les habitudes, hein. C'est fait pour être. Pour pas être respecté. Alors, des bonus, des tirs, un scrolling, mais ne serait-ce pas le shmup du mercredi? Ah, bah oui, on est dans Dark Gravity. Ah, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il aurait ce shmup qui est en preview aujourd'hui là? Il est en 3D, bon d'accord. Il est très scripté. Bah, c'est un shmup, hein. Un shmup, c'est des scripts à la base. Des bonus. Ok, super. Un air blasé. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Oh, regardez. Je me faufile. Telle loi maligne. Qui ne sait absolument pas quel bonus correspond à quoi encore, mais les prend tous les uns après les autres, bien entendu. Et peut enfin se frayer un chemin malgré les adversaires qui ne manqueront pas de remonter par derrière. Et pourtant, nous sommes mercredi et j'ai mis mon grand t-shirt, mon beau t-shirt. Not from behind. Oui, pas par derrière. Respecte your enemy. Oui. Ah, je l'ai senti celui-là. Alors, W ou... Ah mais ça tire ces petits trucs! Mais c'est Rikiki, ça devrait pas tirer, pas à cet âge-là! Ils ont pas assez grandi pour se rendre compte que c'est la vie. Non, 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 non. Ah, stratégiquement, je suis au bon endroit, je crois. Alors j'ai pas essayé les autres touches, voir s'il y avait des trucs marrons. Y, non. Non. Une méga bombe, un méga tir pour papa. Non, ça c'est le tir automatique. Une fois que le tir automatique est enclenché, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est déplacer votre engin de mort. Et semer le trouble, la panique, et peut-être même... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme adjectif qui correspond pas mal? Le trouble, la panique et le désarroi. Ça changera. Alors, je sais pas trop quoi dire sur ce jeu, parce que vous sentez l'émotion dans ma voix? Oui, il n'y en a pas. Ah, quand il n'y a pas d'émotion dans la voix de Monsieur K, il y a de quoi s'inquiéter, parce que ça veut dire que le jeu est pas franchement formidable. C'est ça son vrai nom. Biu, 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 biu. Niveau pattern, ça impressionne pas. Hein. C'est bon, au premier niveau d'une part, et d'autre part, ah non, mais on va faire comme d'hab. Si on a accès à trois niveaux. On verra. Je pourrais commencer à émettre un avis, mais pour l'instant on est tranquille. Tranquille, Bill. Ah, monsieur vient prendre des vacances en bas, c'est pas bon ça. Ouh là là, attends, alors j'ai le tonneau, comment ça marche? Ah, raté. Faut que je répète là, j'ai une histoire de drift, c'est bon, je l'ai trouvé. Ça doit être ça. Ouais, raté, à part je l'ai fait un peu trop tôt, mais il y avait l'idée, ça devait être ça. Tirons. Oh, j'ai perdu tous mes tirs! Bon, on aura cette info déjà. Tu meurs, tu perds tous tes bonus de tir. Si tu meurs devant le boss, ça va être long, parce que le boss est long, mais là il va être encore plus long. Plus long que long, tu veux dire? Non, non, plus long encore. Ah, j'arrive pas à faire le drift. Ouais, c'est à vide. Ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est ça. Donc ça nous donne une chance de passer à travers une nuée de boulettes si on arrive à synchroniser à peu près comme il faut. Est-ce que ça suffira à rendre le jeu totalement euphorisant? Je check mon pouls. Hein. Alors combien? 60 BPM? Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est dommage. Si près du but. Congratulations, tu as fini le premier niveau. Oui, hein? Dark Gravity, tu cherches quoi en fait? What? It's finished? Oh my god, je voulais vous présenter Dark Gravity, mais nous avons un premier niveau où on voit à peine le jeu. C'est un trailer, c'est pas une démo les gars. On va se le basculer en super méchant. Ah, mission numéro 2, on a peut-être une chance de voir quelque chose de plus funky. Parce que je le mets en hard. Je vais essayer de vous faire voir ce niveau déjà, ce sera bien. Ratata. Oh là là! Mais graphiquement, c'est très pauvre. Hein.
Alors, est-ce que monsieur va me la jouer surchargée? Il y a une petite proba. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt visible. Est-ce que c'est sympa, les ondes projetées au fond, ça sert à quelque chose? Bon, foutu. Ça ne sert ni à mon positionnement, ni à m'aider à vraiment à comprendre ce qui se passe autour de moi. Oui, je focus sur lui, il m'a énervé dès le début, il m'a regardé un peu de traviole, j'ai pas du tout aimé. Est-ce que tu as un autre tir, je sais pas, un missile, n'importe quoi. J'essaie les touches. Hein. Non, il y a juste cette façon de drifter sur le côté qui vient se greffer. Alors le fun. Bah écoutez le timbre de ma voix. Oui, on en est là. Alors, on en est là. La faute à qui? Pas à moi en tout cas. Et puis vous savez ce que j'ai tendance à dire. Hein. Les jeux qui usent du full screen pour un scroller vertical, c'est bien souvent une erreur. Parce que ça gâche beaucoup de fun du gameplay qui pourrait être comblé en ne révélant pas l'intégralité de ce qu'il y a sur le tableau. Et oui. Alors c'est un proverbe de vieux peut-être, mais testez-le, vous allez voir. Oui, les jeux en 4 tiers, en tight, sont vraiment agréables à jouer parce que justement, ils réservent sur les côtés différentes petites surprises des fois, ou des malheurs, ça existe aussi. Et du coup, le joueur se retrouve confronté à des choix. Et même lors de 1, 2 ou 3 runs, c'est pas dit qu'il saura tout ce qu'il y a sur le tableau. Je sais pas à quoi ça sert ça, les gars. Tu vais tirer une méga bombe, un truc que j'aurais en stock? Ouais, on peut essayer, mais je suis pas convaincu. J'ai rien. J'essaie mes autres touches. Désespérément, il y a que dalle. Mais que dalle, quoi. Comme la nageoire du dauphin, le fameux. La fameuse nageoire que dalle. Ah, ça meurt au bout d'un moment, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut tirer deux jours dedans, et je pourrais avancer à nouveau, parce que là, regardez comme j'en bave à esquiver tous les nombreux non-tirs ennemis. Ils ont même pas le temps d'apparaître, ces entouilles. On va focus les tirs un peu, là, parce que plus ça ira vite, mieux on sera. Ça va pas plus vite. Quelle tristitude! Quelle tristitude! Qu'est donc ce jeu? Ce shmup nouveau qui donnait espoir même au plus blasé des tamanoirs! Oui, c'était pour la rime, hein, parce que il y a un moment, l'ennui dans un shmup devient tellement profond qu'on a le temps de rechercher les rimes sur les conneries qu'on est en train de raconter. C'est quand même paradoxal. Bon. On fait un truc là ou... Ouais, piouf. Je l'ai vu venir ton truc. Regarde. Piouf. Non. Piouf. C'est pas très compliqué, hein. Le coup du rayon, on nous l'a déjà fait quand on était jeune. Merde. Ouais, ça empêche pas de se faire avoir. Mais voilà. J'ai dit ce que je voulais dire. Piouf. Attendez, piouf. Piouf. Ouais, piouf. Ah, plus piouf, toi. Fini piouf. Capiouf. Ah, il se cache derrière son bouclard. Cette espèce d'ignoble personnage. Qui est venu sans cravate d'ailleurs. Donc soit il y a des choses que je n'ai pas comprises sur le jeu au niveau des tirs. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai vraiment essayé toutes les combinaisons de touches possibles. Soit ce jeu est désespérément vide. Avec un gameplay plat. Un gameplay plat, oui, c'est bien à dire, ça c'est rigolo. Une réalisation sommaire. Alors, cette caisse recule, ouais, c'est génial. Faut les rentrer, faut les ranger en fait. C'est le passage range ta caisse. Il y avait range ta chambre, mon petit. Et là, aujourd'hui, on a range ta caisse. Alors, je me mets là, les mecs, allez-y, descendez tranquille. Je vous suis, regarde. Ah, je reviendrai. I will be back, c'est Arnold qui m'a pris ça. Hop. Non, pas celui d'Arnold et Willy, vous confondez les gars.
Oh mon bonus qui se fait la rep. Ce passage est hyper intéressant, dites-moi que c'est un boss. Non mais quel sarcasme. J'avais dit qu'il y avait un peu de sarcasme, un tout petit peu, un chouï. À peine. Et à partir de maintenant, tout va changer, regardez. Regardez, l'écran tremble. L'écran fait une crise d'épilepsie, littéralement. Et on m'envoie une série d'ennemis implacables, tenaces et vifs à la fois. Parce que regardez, je ne sais pas où passer dans toute cette myriade de boulettes scriptées qui prend son temps pour arriver quand même. Et je suis la panique totale, regardez. Oh mon dieu, comment vais-je faire? Monsieur K, tu simules. Oui, bah, allez, pff. Faut que je rende le stream intéressant, hein, les gars. Je suis là pour ça. Et on va pas y arriver aujourd'hui. You. Là, là, là. Tire-le là. Ça m'amusera. Tiens, bah, j'ai de la place. On profite. Hein. Tu vas tirer, toi. Tiens, bah, tu tireras dans l'angle. Non, regarde, je suis là. Il est con. C'est couillon à cet âge-là. Hein. Ouais, je sais. Piou. Je crois que j'ai absolument tout dit hein, sur ce jeu, j'ai plus rien à rajouter. S'il vous plaît, allez récupérer Dark Gravity s'il est sorti, puisqu'il est prévu, c'est une preview ça. Et je vois qu'il y a encore du boulot. Donc il est prévu pendant pas longtemps, mais normalement je pense qu'il va mettre plus de temps que prévu s'ils écoutent ma chronique. Et qu'ils ont envie de sortir un produit qui soit sympa, jouable et agréable. Regardez comme j'esquive. Oui, j'ai pas bougé d'un millimètre. Et là pareil. T'esquives le premier et puis après t'attends. Ah, j'ai pris un truc quand même, c'est la bonne nouvelle. Non, je ne relancerai pas une partie. Dark Gravity ne passera pas par moi. C'est un shmup à l'évidence qu'il y a des soucis de gameplay. Et il faudrait faire quelque chose vraiment d'urgence parce que si dans un shmup on peut se passer des détails de la réalisation avec un environnement graphique très sommaire, si les patterns sont pas au rendez-vous, le shmup aura vite fait de se barrer. Et c'est exactement ce que je vais faire en vous laissant le bouton d'abonnement et les deux playlists. Ciao. Tu me passes ma veste, mon chapeau? Merci. Le parapluie? Non, j'aime bien la pluie, moi. Surtout quand c'est des boulettes.